Et salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Bot World Aventure. Et donc on s'était quitté sur l'amélioration de nos robots, le déblocage de l'arène et l'amélioration du bateau. Et là, il va être temps de... Qu'est-ce qu'on va faire exactement? On va faire nos petites missions ici et on va essayer... Vu que en fait on a déjà les tâches de fini ici, on va essayer de récupérer le matériel pour passer le niveau de bateau 3. Parce que en fait ma femme elle est déjà niveau 3, donc il faut que je passe niveau 3. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est comme ça, c'est une question de... Voilà, vous avez compris. Allez, alors, on va partir faire nos petites missions. On va partir faire nos petites missions. Donc nos missions se passent essentiellement à Long Beach et à Contrefort. Donc ouais, c'est l'un sur les autres quasiment. Donc c'est parfait. On va prendre notre petit jackpot et on va partir à Long Beach. C'est parti. Let's go. Oh, il y a du monde. À peine je spawn, il y a déjà full monde, dis donc. Bah lui, allez hop, on va se laisser attraper. Il a envie de se battre, on va se battre. Il veut la bagarre, on va bagarrer. Allez, c'est parti. En plus c'est un niveau 1, donc il est très... Il est très confiant. Allez. J'espère que les sons des combats seront plus agréables sur le coup maintenant que j'ai fait les petites modifs. Allez hop, c'est réglé. Oh, un niveau supérieur pour notre petit sniper. Plutôt top. Faut qu'on fasse péter ces mines aussi, alors on en profite. Et on avait une mission à faire ici, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est un rapport avec ça, hein, je crois. Ouais. On va tous les provoquer en même temps. Voilà. Tant qu'à faire. On va avoir 3 vagues sur le coup de combat. Donc c'est parti. Parfait. On a déjà les cordes pour notre bateau. Nickel. C'est parfait. Ces routes marchandes, ouais, ok, parfait. Ah bah oui, donne, je prends. Ok, donc une mission de fête, un baril. Il nous manque encore un baril.
On va aller se battre. On va essayer de ramener ce qu'il faut pour faire notre petit bateau au niveau 3. Et ça sera parfait, en fait. Hein. Voilà. J'essaie de prendre les deux en même temps. Hop. Il a bougé au dernier moment. Parfait. Donc là, logiquement, dans le tas qu'il y a là, on devrait récupérer un baril. Parfait. Donc niveau baril, on est good. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque ça. Laissé dans une remorque attaquée par des robots sauvages dans la vallée, côte des ferrailles. Côte des ferrailles. C'est où, c'est où? Ça va être compliqué à trouver, je le sens. Oh non! Bon, d'accord. Je me suis fait happer. Allez, viens. Allez, go. Oh là 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 là. Ce massacre. On va essayer de monter. Oh, c'est quoi ça? Une boîte à outils récupérée sur 3. Ok. Donc ça fait partie des quêtes qu'on a à faire. C'est par là qu'on monte. J'allais vérifier si je me trompais pas de chemin, mais apparemment non, c'est bon, je suis pas mal. Hop. 2 sur 3. Une petite mine. Ça, c'est la dernière mine que je dois faire péter, je crois. J'avais des mines à faire péter. Ouais, 13 mines. Nanana, tous les contrats sont remplis. C'est parfait. Donc là, maintenant, faut qu'on essaye de trouver cette fameuse charrette attaquée et abandonnée. Comme ça, j'aurai ce qu'il faut pour améliorer mon bateau niveau 3. Lui, on va l'éloigner. Oh. Et on va débloquer aussi la petite... On n'a pas eu le temps là sur le coup. On n'a pas eu le temps, on va débloquer ça. Ça va nous permettre de revenir ici plus rapidement. Voilà. Alors je sais pas du tout si la remorque elle est vers là. Elle est censée être où cette remorque? Enfin cette fameuse... Je sais pas du tout. En plus, on peut pas la sélectionner comme quête parce que ce n'est pas une quête. Hmm.
Oh bah je sais pas. On va se balader et puis on finira bien par trouver un moment ou un autre. Donc là, va falloir faire gaffe parce qu'on arrive sur des mobs à notre level. Hein. Oh, notre sniper, il est en PLS là. Oh, il est pas bien, il est pas bien. On va aller l'aider. Voilà. Parfait. Est-ce qu'on a encore de quoi soigner? Ouais. On peut essayer de se balader un peu. Oh, il essaie de m'attraper avec un filet. Oh, au secours. Oh, il essaie de m'attraper avec un filet. Ce fou. Oh. Laisse-moi tranquille. Ok. Bah déjà, je suis passé là et il y avait pas de petite caravane. Hein. Laissé dans une remorque attaquée par les robots. Il n'y avait rien ici. Par contre, j'ai vu une plateforme. J'aimerais bien l'activer. Ouais, clairement. Clairement! Allez-y les gars. Bien joué. Après on aura bientôt plus d'énergie donc faudra rentrer de toute façon. On va pouvoir débloquer tranquillement ça. Ils vont pas nous emmerder. Hop. Parfait. Ah par contre on peut plus on va plus pouvoir soigner nos robots. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer. Et on partira chercher le reste une autre fois. On a débloqué du Season Pass. On est passé 3. Hop, voilà. Au 4, on aura un nouveau robot, flambeur, et on aura un module de compétences aléatoires. Ça va pouvoir être intéressant. C'est vrai, on peut améliorer l'IA de Miam. Alors, portée augmentée de 20% ou vitesse de déplacement augmentée de 20%. On va prendre la portée. S'il peut tirer plus loin, il n'a pas besoin de courir trop vite. Je me dis. Après. Et au niveau des arènes, ça donne quoi? Prochain maître de l'arène arrive dans 5 heures. Se débloque au bateau 3 et se débloque au bateau 7. Ok. Donc on n'a plus grand chose à faire. On a débloqué de nouvelles missions. Passer la pub. Passer la pub. Passer la pub. Alors. Battez les bandits. Contrôlant les canons à énergie dans Perchoir de l'Aigle. Battez les meutes de Barry sauvage dans Crête Nord. Et récupérez la caravane dans Perchoir de l'Aigle.
Perchoir de l'aigle. C'est là où j'étais, là. Là où il y avait tous les bots de niveau 5, là. Bon, ça va être compliqué, hein. On va se le tenter. On va se le tenter. Ouais. Ah, ils sont tous en train de la protéger, leur remorque. Hein. Attention. Hein. Alors, Brut, amélioré 6. Équipé d'une énorme massue, Brut se déplace lourdement vers ses ennemis pour infliger des dommages. Ok. Alors déjà, qui va rentrer en action? Mon petit sniper adoré. Mon copain. Et mon autre copain. Allez. On va les clouer un peu au sol. Ça va leur faire du bien. Wouhou! Oh, ça va très vite les enfants, ça va très vite. Ce Brut est fortement méchant. Fortement méchant. Parfait. Round 2. J'avais oublié celui-là. On va mettre notre tank. Et on va mettre lui. Et on va mettre lui. Et on va surtout calmer tout ce qui passe par là en fait. C'est eux que je veux calmer le plus parce que c'est les plus violents. Ouais, bien joué ça. C'est vraiment bien joué. On va essayer d'attirer les deux en même temps. Ah, dommage. Ils ont pas voulu venir tous les deux en même temps. Alors, il y a beaucoup de brutes là sur le coup. Donc on va repartir. On va tenter du push. Pour le sortir le plus rapidement possible. Là, ça se sépare en deux. Il a esquivé. Ah, il a esquivé. Bien joué. Est-ce que je peux... Ah non, j'allais dire, est-ce que je peux l'ouvrir sans me faire aggro? Mais bien sûr que non. Allez, c'est parti. Donc là, je vois qu'on a 3 brutes. Ok. On va la jouer comme avant, c'est-à-dire on pêche. C'est très bien comme ça se passe. C'est très bien comme ça se passe. On pré-shot. Ah, bien joué. Ok, nickel, on va pouvoir fouiller cette remorque. Caravane récupérée. Ok, donc la mission caravane, c'est fait. On n'a toujours pas trouvé notre truc de bateau.
On avait encore un truc à faire ici. Battez la meute. Non, Crête du Nord. Perchoir de l'Aigle, voilà, c'est ça. Battez les bandits contrôlant les canons. Bah, mais avant de battre les bandits qui contrôlent les canons, il faut réussir à passer. En fait, il faut réussir à passer tout ça d'abord. Autant dire qu'il y a du combat à faire, quoi. Attends, si je pars de là. Ah oui, oh, il y a plusieurs mondes, d'accord. On peut pas se déplacer de plateau en plateau? J'ai pas l'impression. Au secours. On veut m'attaquer. Ah bah là, il y a un canon. Deux canons. C'est contre ça que je dois me battre, non? On va essayer d'aller voir ça. On arrive sur 20 minutes de vidéo. Batterie de cogneur. Ok. En fait, une fois que tu commences, t'as plus envie de t'arrêter, hein, ce jeu. Oh, ils sont revenus en arrière. Je m'y attendais carrément pas. Ok, parfait. Ça, c'est parfait. Allez, chope-le, chope-le! Voilà. Alors ça fait partie des bandits rats que je dois battre pour les canons là. Alors c'est parti. Ouh, je suis en train de me faire rincer. Oh, je suis en train de me faire rincer. Oh, je sens qu'il va falloir partir sur de l'amélioration là. J'ai encore jamais perdu à 100% un combat. Je crois qu'on va très vite savoir ce que ça fait. Ouais. Alors, on va clairement se faire rincer. Aïe aïe aïe. Première fois que je perds un combat à 100%. J'ai pas vu le level qu'ils étaient, mais. Ok, ça te fait rentrer automatiquement. Ok, bah je crois qu'il va d'abord falloir qu'on améliore notre bateau et qu'on améliore nos robots avant de tenter certaines missions. Donc bah voilà, écoutez, on va s'arrêter là, ça fait déjà une bonne vingtaine de minutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine, des bisous, ciao ciao.